Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Tim Bouton. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit glitch pour continuer ma série de trucs et astuces. Donc, ça se passe sur Halo Combat Evolved Anniversary. Il y a beaucoup de Enfin, bref. ça se passe sur la mission de trahison. Vous l'aurez remarqué, je ne l'ai jamais terminé en solo et en coopératif, j'ai terminé seulement en facile. Mais c'était juste pour la terminer rapidement parce que je n'avais jamais joué à Combat Evolved et je ne savais pas du tout quelle était en gros l'histoire. Donc je voulais la terminer le plus rapidement pour savoir toute l'histoire et c'est pour ça que j'ai fait et je l'ai jamais reprise malheureusement. Faudrait que je le fasse un de ces quatre, mais je sais pas, personnellement j'ai pas, c'est pas que j'ai pas trop accroché. Mais c'est que le fait de pouvoir être seulement à deux lors des missions, des campagnes, ça m'a un petit peu embêté parce que moi, souvent, les campagnes, je les faisais surtout avec les potes pour s'éclater. Allez, on est à quatre, on fait des conneries, enfin bref. Là n'est pas le sujet, donc peut-être qu'un jour, je les referai. Mais voilà, donc la mission, c'est deux trahisons. Difficulté, facile, normal, héroïque ou légendaire. Bon, je vais prendre facile pour que ce soit pas trop trop long, pas trop compliqué et que je meurs pas trop souvent. Mais bon, pas trop, voilà. Crâne, vous avez besoin d'aucun crâne activé. D'ailleurs, il m'en manque deux, faudra aussi que je les cherche ceux-là. Je prends juste bandana pour avoir pas mal de munitions. Puis bon, bah, on va démarrer. Donc, à savoir que cette vidéo, on était tout d'abord. J'étais en premier lieu censé le faire avec Nicolas. Nico Ghost Hunter. Malheureusement, on a eu un problème. On a enregistré avec Skype. Le son était très mauvais. Donc on aurait dû le refaire. Enfin, on a voulu le refaire. Et finalement, on n'a pas trouvé de temps. Et puis bon, je me suis dit, ça fait plus d'un mois quand même. Ce glitch, il est quand même pas super super connu, donc je me dis bon allez, faut quand même que les gens le découvrent un petit peu. Donc je me suis dit bon bah tant pis, on fera une autre vidéo avec Nico. J'ai vraiment envie d'en faire une avec lui, donc on en fera une forcément. Mais voilà, ça sera pas sur ça qu'on va le faire, parce que malheureusement j'étais un petit peu pas à court d'idées aussi pour sortir des vidéos. J'avais un petit peu de problèmes, j'ai 2-3 vidéos en tête. Sur une ou deux, j'ai un petit problème, avec mon logiciel qui fait que j'arrive pas à découper la vidéo comme je veux. Sur un autre, petit souci, disons que je peux pas trop vous révéler parce que ça spoilerait un petit peu mes projets. Et voilà. Avec Nico, on fera d'autres vidéos, dont le dernier projet dont je vous ai parlé et je veux pas vous révéler. Voilà. Bon, on va faire je vais vous montrer le glitch. Fini la blablate. Le blablatage, le blablate, enfin voilà. Blablate, ça fait un petit peu insecte. Enfin bref, normal, il y a la blatte. Enfin bref. bref. Donc on va passer la cinématique. On va tuer ces sales bêtes qui sont là-haut. Bref. Alors, vous aurez remarqué que même en facile, je ne suis pas bon du tout. Parce que je n'ai pas touché à Combat Evolved depuis un sacré bout de temps, en fait. Car je le faisais avec un certain Delicouillard. Non, un bon pote à moi que j'ai découvert grâce à mon ancienne team. Et malheureusement, il se connecte plus, en tout cas plus en même temps que moi. Donc ça fait qu'on joue plus ensemble. Et puis j'ai plus personne avec qui faire la campagne. Donc c'est surtout pour ça aussi que j'ai pas repris la campagne en plus que ça. Aussi petite chose que je vais vous montrer, là il y a le terminal. Il y a déjà plein de vidéos sur internet qui montrent où sont les terminaux. Donc là il y a un des terminaux. Je sais plus ce qui est dit dans ce terminal là. Il est vraiment facile à atteindre celui-là. Je vais pas vous spoiler, ça sert à rien. Et en plus, je suis presque persuadé que vous les avez déjà tous vus. Car il y a déjà plein de vidéos. Donc là, en fait, on va
ouvrir la vide. Le... On va ouvrir la porte, normal. Ouah, j'ai du mal, veuillez m'excuser. Bref, excusez-moi, j'étais un petit peu concentré parce que dans la partie juste avant, j'ai déjà essayé de faire une vidéo et je suis mort, oh, je ne sais pas combien de fois, mais plus qu'il n'en faut en tout cas. Voilà, ok, donc on se débarrasse de tout le monde, là, tout le beau monde là. On continue la mission normalement. On ouvre la porte et ça se passe juste derrière. Et vous allez, là va falloir être assez attentif et assez rapide. Excusez-moi, quelque chose que j'ai mal digéré. Et ça se passe au niveau de ce panneau de contrôle. Donc je vais vous expliquer vite fait avant de le faire. En fait, vous voyez, il faut appuyer sur B pour activer la porte. Enfin, ça dépend de la config que vous avez. Moi personnellement, c'est sur B. Et lorsque le panneau aura fini de bouger, bah vous devrez appuyer tout de suite sur B. Donc c'est un timing un petit peu short. Vous y arriverez peut-être pas du premier coup. Et en fait ça va disponer tout ce qu'il y a derrière la porte. Donc là on voit un point rouge d'ailleurs. C'est un des seuls ennemis qui sera pas disponé. Il y en a deux qui seront pas disponés. Ça sera un élite qui sera vers la droite, juste là. Et un rapace qui sera quelque part par là. Donc on va le faire. Voilà. Et là je me suis loupé. Voilà. Donc là je me suis bien rattrapé. C'est à dire je me suis loupé le premier coup. Et j'ai refait tout de suite après sans ouvrir normalement. J'ai refait la même manip pour éviter que bah, qu'il spawn. Et donc là en fait vous avez un terrain de... Ouais, j'ai envie de dire un terrain de jeu carrément. Il n'y a plus personne pour vous embêter, vous faites ce que vous voulez. Et il n'y a plus aucun grunt. En fait il y a juste l'élite qui était là-bas. Et le rapace qui se baladait, qui faisait son tour de ronde là. Qui avait à tuer, c'était les seuls qui devaient être tués. Et après vous faites un peu ce que vous voulez. Donc c'est pratique si vous avez rien d'autre à faire. Je suis même persuadé que ça peut être utile pour des trucs genre Machinima. Mais personnellement je trouve que Machinima sur Halo Combat Evolve, étant donné qu'il n'y a pas de mode cinéma, c'est assez dur. Et en campagne je pense que ça l'est encore plus, étant donné que bah on peut pas être 16 comme en mission en fait. Donc ce sera disons une machinima à la première personne. Donc là aussi c'est pas vraiment un glitch, mais pour descendre là normalement si j'avais sauté jusqu'ici là, j'aurais perdu énormément de vie. Or, en glissant sur le côté, d'ailleurs pas à cet endroit-là, il y a un endroit où on peut se retrouver bloqué. En glissant sur le côté, là, comme ça, ça vous permet de mourir en arrivant en bas. Non, voilà. En fait, si vous... Voilà, faut pas glisser sur une face, faut glisser dans un coin. Là, comme ça, par exemple. Tac. Bon, là, j'étais pas super haut, mais voilà. Ça vous permet de descendre sans mourir. Ensuite... Voilà, donc vous voyez, il n'y a vraiment plus personne. Même l'apparition qui est là-bas est inactive. Il n'y a personne dedans. Oh, tiens, petit bug. D'habitude, il est complètement fermé. Là, il est à moitié ouvert. C'est bizarre. Donc voilà. Et vous allez me demander, mais comment fait-on pour continuer la mission ? Eh bien, non, ce n'est pas en continuant la mission normalement. Genre, on prend le Banshee pour monter là-haut, si je dis pas de bêtises. Attendez que je retrouve l'endroit. Ah, voilà, là-haut. C'est, on reprend le Banshee, ou alors on y va à pied. Mais à pied, c'est, disons, un petit peu plus embêtant, parce que pour continuer, il va falloir respawner tout le monde. Et donc, pour cela, on va prendre le Banshee. Donc, on prend le Banshee. On prend le Banshee, voilà.
Ah oui, chose que j'ai remarqué, ça m'avait vraiment choqué. En campagne, le boost en fait sert à tirer les roquettes, c'est pas le boost. Donc il n'y a pas de boost. Voilà, je viens de dire trois fois la même chose, c'est pas grave. J'avais jamais joué à Halo Combat Evolved. Et bon, j'ai téléchargé après sur internet parce que finalement j'avais bien aimé. Puis bah, je n'ai pas toujours accès au PC, donc des fois, bah, étant un fan, on va pas dire inconditionnel, pas autant que je pense Spartan Tilk ou certains. Je donnerai pas d'autres noms parce que je pense Spartan Tilk est le plus gros fan de Halo que j'ai en tête. J'avais jamais joué au Halo CEA et puis voilà, j'ai pas pu vraiment découvrir ça. Donc j'ai téléchargé après. Et aussi, il y a une petite raison pour laquelle je suis un petit peu la génération Halo, on va dire. Car je fais partie de la tranche d'âge de ceux qui ont commencé sur Halo CE ou Halo 2, parce que certains étaient trop jeunes pour commencer sur Halo CE. Et moi, en fait, pendant que certains commençaient sur Halo, bah moi j'étais en Chine. Et en Chine, bah, je n'avais pas accès à tout ça, donc à tout ce qui est Xbox et autres. J'ai eu une PlayStation 1 et c'est la seule PlayStation que j'ai eue. J'ai pas vraiment pas accroché. Par contre, je veux pas lancer le débat. Ouais, PlayStation c'est mieux que Xbox c'est mieux que PlayStation. Je m'en fiche complètement. C'est pas ça que je. C'est pas ça que je. C'est pas vraiment un débat auquel je veux participer car chacun ses goûts. Bon, je fais souvent mon faux frustré. Oui, je préfère Xbox. Enfin voilà, PlayStation, c'est nul, mais c'est juste pour plaisanter, hein. C'est vraiment pas pour me prendre la tête avec quelqu'un, ni pour dire que PS3 c'est nul. C'est à prendre au second degré quand je dis ça. Donc voilà, on peut sortir. Enfin, c'est pas vraiment sortir de la map, mais on peut monter tout en haut. Comme on peut descendre tout en bas, donc voilà, c'est vraiment inutile. Mais c'était juste le temps que je raconte ma life. Et oui, il en faut bien pour raconter sa life. Donc hop là, dans la sphère. Bref, en bas, je sais pas jusqu'où on peut descendre. Très très bas, il me semble. Enfin bref. Et donc le truc, en fait, pour continuer. Là, je crois que j'ai touché le sol. Ouais, j'ai touché le sol. Donc voilà, pour continuer, on va remonter. Donc pour continuer la mission, il faut retourner au panneau qu'on a activé juste précédemment. Non, juste avant. Pour faire le glitch en fait. Et ça va annuler le glitch en fait quand on va appuyer dessus. Donc bon bah on y retourne petit à petit. Ah là là. Un petit peu de mal. Joli petit bruit de verre cassé. Et donc là, en fait, on se met là. Voilà, prêt à repartir. Hop, attention le banshee. Et on réactive la porte. Et là, tous les grunts réapparaissent. Donc, pour faire le défi. Et justement, c'est vachement pratique pour faire le défi. Comme ça, vous ne tuez pas les grunts qui sont là. Vous les évitez tous. Et vous pouvez continuer la mission normalement. Bon, bref, après, il y a plein de choses à faire, à découvrir. Moi, je suis monté un petit peu partout, je me suis posé un peu partout. Étant donné que je crois qu'il y a certains murs qui ont des physiques bizarres. Genre, vous passez au travers. Pas celui-là, apparemment. Voilà, tac. Par contre, on tombe. On tombe! Voilà, on meurt. Enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour ce glitch. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Halo, j'imagine. Enfin, j'imagine parce que je vais bientôt m'acheter Battlefield 3, normalement. Donc, je ne sais vraiment pas quelle sera ma prochaine vidéo, si ce sera une vidéo Halo ou une vidéo Battlefield 3. Donc, je pense que ça sera Halo, mais ça ne le sera pas forcément. À moins que ce soit un de mes projets qui ne sont pas vraiment en rapport avec Halo. En tout cas, je vais vous dire. Bah, ciao, ciao, bye bye les gens, et puis à une prochaine. Par contre, oui, voilà. Là,
vous remarquerez juste que ça pas respawn en fait. Le ah, ça pas respawn. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal. La suite de la mission a pas marché, a pas tout à fait marché comme il fallait. Ça c'est parce que disons j'ai dû louper un petit truc. Donc eh bien point de contrôle terminé, ok. Eh bien. Eh bien oui, j'ai loupé un petit truc. J'ai vraiment loupé un petit truc. Ok. Eh bien, me revoilà pour un petit complément de vidéo. Je viens de comprendre pourquoi en fait ça. Enfin, je viens de comprendre. Je viens de me rappeler en fait comment ça se fait que. Ouais. J'ai vraiment, vraiment du mal avec le français aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, je viens de me rappeler comment on fait pour débugger tout ça. Et en fait, c'est juste que le jeu n'est pas habitué à voir les gens passer en fait en banshee pour continuer la mission. Donc, pour continuer la mission, en fait, dès que vous sortez, vous prenez pas direct le banshee, vous descendez vers le sol en fait, jusqu'à ce que l'apparition, oui, l'appât s'active. Et là, dès qu'elle s'active et que vous avez le truc en bleu là qui s'affiche, bah vous pouvez continuer. Excusez-moi, c'est vraiment peu palpitant, mais donc vous pouvez continuer la mission. Et comme ça, bah vous pouvez faire votre succès ou autre. Surtout, ne tuez aucun grunt en légendaire si vous voulez faire votre succès. Si vous voulez pas tuer les grunts, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, en fait, il suffit juste de passer. Voilà, là on perd ses boucliers, on continue la mission, tout le monde est content. Donc voilà, et ouais, je me fais attaquer par tout le monde. C'est pas juste. Donc là, normalement, vous ressortez, vous avez plusieurs banshees. Vous prenez celui que vous voulez, en évitant de prendre celui-là si vous voulez pas écraser un grunt au passage. Donc voilà. Et ensuite, vous continuez la mission parfaitement normalement. Donc ça, en fait, c'est juste un petit glitch qui vous fait gagner du temps. Ça ne change absolument rien à la suite de la mission. Hop là. Qu'est-ce d'autre à vous dire là-dessus? Enfin là-dessus, sur cette mission, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je pense que la vidéo sera déjà suffisamment longue. Donc je vous dis ciao ciao, bye bye les gens, portez-vous bien et abusez pas trop sur la turlute, hein. Bref, non, humour nul, c'est nul. C'était nul comme blague. Waouh.